Eh bien, bonjour à tous! Nous sommes de retour aujourd'hui avec un épisode spécial pour les Sims 2 pour le temps des fêtes. J'étais supposée filmer un peu plus tôt cette semaine. Avec les circonstances du temps des fêtes, j'ai pas pu. Donc, c'est maintenant ou jamais! Alors, nous voilà ici pour les Sims! Ok, donc le dernier épisode, il y a eu une tempête, je me souviens, une pluie quelconque, ça a causé, je vais revenir à ça, ça a causé un feu, et puis ça a fait peur à notre pauvre petit gros bébé content qui s'est enfui. Alors, moi on espère qu'il va revenir aujourd'hui. Alors, Elisabeth est un nouveau membre du club des casse-têtes sur internet. Une communauté de joueurs occasionnels qui grandit très rapidement. Elle est en train de jouer à Tornade Bleue lorsque la présidente du club, F012PUZL, ou en tout cas c'était peut-être un L, peu importe, lui lance un défi. Les défis sont courants dans le club, car la règle numéro 1 proclame le pouvoir au plus fort. Elisabeth est-elle prête à relever le défi ou devra-t-elle passer un peu plus de temps à s'entraîner? Eh bien, j'ai décidé que j'avais des couilles et que j'allais accepter le défi. Elisabeth décrypte ses mains et tape « Allons-y » dans la fenêtre de discussion. Des blocs bleus commencent à défiler sur son écran et Elisabeth clique frénétiquement pour les détruire à l'aide d'autres blocs bleus. La partie n'est pas gagnée, jusqu'à ce qu'un enchaînement ultra bleu permette à Elisabeth d'obtenir un bloc bleu Oméga. Elisabeth lance le bloc sur l'écran de F012PZ1, peu importe, ce qui termine le jeu immédiatement. Cette personne se déconnecte rapidement avant d'être charriée. Elisabeth reçoit une promotion au poste de néophyte de la manette. Yeah! Une promotion égale plus d'argent! Yeah! Alors, Elisabeth a reçu une promotion et occupera le poste de néophyte de la manette. Vous tenez la manette avec naturel et vos doigts s'activent sur les boutons, mais vos stratégies doivent être plus créatives si vous souhaitez obtenir une promotion. Elisabeth travaille désormais de 9h à 16h. Elisabeth a gagné 147 Simflouz aujourd'hui et reçoit une prime de 294$. Eh bien, parfait, on va pouvoir décorer un petit peu pour le temps des fêtes. Si je me trompe pas, on est supposé en avoir. Exact. Parfait! Je ne mettrai pas beaucoup, là, c'est juste pour dire que nous avons quelque chose pour célébrer un épisode spécial pour le temps des fêtes. Premièrement, j'ai envie de mettre... Oh non! J'ai accroché quelque chose. Ça l'a bugué! Pardon. Allez, reviens. Reviens-moi. Ok, pardon. Ok. Ça, c'est totalement mon char dans la vraie vie. Je sais pas s'il y a du son. Oh non! Attendez, je vais tester, je sais pas s'il y a du son. Bon, j'ai remarqué, c'est parce que dans le fond, j'ai des nouveaux écouteurs, comme vous avez pu voir. Et mes écouteurs, disons que... ils sont Bluetooth, fait que j'ai pas remarqué que le son captait pas le son des écouteurs. Fait que, alors... J'ai mis des petites lumières de Noël juste avant. Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Je crois que mon mic est une petite affaire trop fort. Mais bon. J'aurais aimé ça pour mettre une couronne devant la porte, mais je crois que ça marchera pas. On va la mettre une à côté, tiens. Oh oui! Ah, mais on est l'automne. Oups, j'ai dit on va mettre un bonhomme de neige dehors. Ça marchera pas tant. Tiens. Mmh.
Il n'y avait pas un sapin. Peut-être qu'on dirait comme une statue, en fait. Oh, il y a une maison à pain d'épices. Ah, oh, mais je n'ai qu'un comptoir. Ah, oh, merde. Ah, il est là. Il est combien? 80. Oh, oh, c'est un petit sapin. Ouf. Ça serait totalement mon genre, en fait. On va acheter une petite table, en fait. Une petite table double. Comme ça, genre. Il faudrait que ça fit. Idéalement. On va là. On va mettre ça comme ça. Je trouve d'ailleurs que mon son est un petit peu fort. Ok. Ok, j'avais dit la maison en pain d'épices, comme ça, avec le mini sapin. Là, on est définitivement repauvre de nouveau. Mais bon, fallait s'en douter. Alors, qu'avons-nous comme objectif? Gagner un point de compétence. On n'en a pas besoin pour la carrière pour l'instant. Est-ce que je m'étais fait des connaissances? Non. Ah oui, c'est vrai! Je me souviens que j'avais la dernière fois, à suite à mon départ, que j'avais préparé mon futur mari, ma future fréquentation. Oh d'ailleurs, les petites lumières, c'est trop mignon. Je pense que ceux-là, je vais les garder après. Oh, je vais t'appeler pour gros bébé. Justement. Bon, je sais que j'avais déjà appelé. Mais non, là, t'es contente. Comment je vais, en fait? Je vais commencer. Je vais manger. Après ça, je vais aller essayer de trouver mon futur mari dans un centre communautaire. Salle communautaire, peu importe. Un terrain communautaire. Ok. Pendant que on va marcher ici. Des bonnes sandwiches avec la moutarde. Encore c'est au rose beef, hein. Rose beef, c'est du jambon. J'aime pas le jambon. On dirait que c'est des sandwiches à la tête. Oh, quelqu'un vient de marcher dehors. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, est-ce que c'était des factures? Oh! Il y avait des factures à payer! Oh non! Ça place un peu. Merde, hein? 76, est-ce que je pourrais vendre finalement? Une petite déco. Oh, pas ça. Ça. Oh! Oh, mais je l'aime, mon petit ruban. Ok, là, je vais vendre ma maison en pain d'épices, là. Faut pas gentil avec toi. Le fils, j'ai rien foutu. Là, c'est j'ai accroché quelque chose. D'accord, je pourrais pas utiliser mes raccourcis. Vous avez vu un instant Dragon Age. Oui, oui, je vais faire bientôt un nouvel épisode de toute façon, bientôt. Bon, et nous, j'ai besoin de vie sociale. Donc, puis j'ai passé pour un auto, fait qu'il va falloir aller appeler taxi. Bon. Oh, pour beau bébé, là, je suis triste. En attendant. Ok.
ça c'est quoi? Garder le sens de la réalité, allant faire un tour au centre commercial. Dans ce bâtiment du gouvernement désaffecté, les cimes de Zarbeville trouvent des vêtements, de la nourriture et des divertissements. Réputée pour son immense piscine et ses bains relaxants, la station thermale de Zarbeville est une étape reposante vers la route vers la réalité. Bon, on va aller au centre commercial et on va espérer que la personne qu'on recherche y trouve. Je te mets un petit valet raccourci pour aller plus vite. Ah! Ah! Il faudrait que je fasse quelque chose de plus complexe qu'un raccourci. Mes petits chats. Bon. Ok. Oh mon dieu, le lag soudain. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un ici? Ça, j'ai toujours pas compris. C'est quoi ça? Lui, on l'a déjà rencontré, mais c'est pas lui que je recherche. Un petit vieux. Victor. Je vais peut-être regarder pour. Ah! Je viens de me dire. Ah! Je vais regarder pour des vêtements. Ouais, pas tant. C'est droit à côté. Oh, mais on va parler aux gens. On va saluer Abdel Cho. On a besoin d'amis. On connaît des gens. On va papoter avec lui. Yes. Charlie Tang. On va parler à Victor. De toute façon, il est là. Allô, je veux parler à Victor. Bon. La maison que je cherche n'a pas l'air d'être là. On va retourner à la maison. Allez à la maison. Oh, chaque fois que je le vois, je suis trop triste. Pour bébé, c'est enfui, il a eu peur. Ok, au pire, on va peinturer. Pour pouvoir gagner un peu de sous. De toute façon, on va aller dormir un peu. C'est vrai qu'elle est partie avec mon journal. Encore. Mais c'est pas lui qui est parti avec mon journal. J'avais-tu fait un repas? Oui. On va manger avant. Ça, on va aller dormir. Je vais attendre qu'elle finisse. Trop tard. Hop, j'ai mangé quand ça venait de passer date. Oupsie! C'est pas grave. On va vendre pour 5, c'est flou. Attention, soyons riches. J'ai un chat derrière qui miaule. On va ici. Puis. Je vais. Juste pour le moment.
Au cas où j'ai quelqu'un à la maison. Je pourrais voler mes souffleuses. Apparemment que c'est fréquent. Qui arrive chez vous. Oh! Salut, salut! Ramasse ses souffleuses sur ton arbre. On va avancer plus vite. C'est un point de créativité. Ok. Mais on va garder ça, mais bon. Oh non, je vais garder le trouver l'amour. C'était quoi dans mon souhait à long terme? Marier 6 enfants. Je doute sincèrement que ça arrive. Mais bon, on sait jamais. J'avais-tu quelque chose en particulier? Non. T'aurais pu finir de manger tes chips ou tes biscuits, je sais pas ce que c'était. On dit déjà? On va prendre une douche. Ah, oh, j'ai mon petit chat, il revient. Son manger est encore bon. Ça, on va appeler. Je vais essayer de regarder sur l'ordinateur. J'ai pas discuté avec quelqu'un d'habitude. Parce qu'envoyer un email, c'est pour ça par rapport. Bon ben. On va appeler quelqu'un pour discuter. Peu importe qui est-ce. Juste pour dire. Ah, oh, ben il y a Tank qui est là. Hop. Ah, mais là, là. Ok. Abdel. J'ai envie d'écouter la musique maintenant. Avec des sous, ça c'est bien. Discuter avec. On a rien, tiens. Ça, on va manger. Déjeuner. Ah, j'ai plus envie de manger des sandwichs. Préparé individuel spaghetti, tu sais. Je sais, c'est parce que j'ai pas assez de points de cuisine. Mais mange, bon. Oh, ça a pas rempli tant que ça. Hein. On va faire un peu d'étudier la cuisine. Bon, Kiki, on va aller mon journal, là. Si je vais regarder. Ah oui, ça. Puis qu'est-ce qu'elle peut faire? Macaroni au fromage. Mais ça tombe bien, j'ai un genre. Bon, là, je suis partie dormir. Es-tu brisé? Oh, come on! Ok, je t'ai demandé de le réparer et le nettoyer, pas de te laver. Répare-le, j'ai dit. Bon, merci. Nettoie ça. Ok. On a encore faim. On a des céréales. On va retourner dormir parce que bon. Tout ce que j'attends là, c'est de rencontrer la personne que je veux.
Je travaille-tu aujourd'hui? À 9h. Est-ce qu'il faut que je laisse les Simflous plus longtemps pour qu'ils pognent, qu'il y ait plus d'argent? Je vais le laisser. Ouais, je vais le laisser comme ça. Je vais aller travailler. Oh, mon petit chat! Allez, va travailler. Trop tard le téléphone. Tu as amené d'autres factures. Ah. Oh, mon petit chat! Oh, mais c'est parce qu'il a eu peur, ok, là? Il est en dedans, là? Ok, on va empêcher le chat de sortir, maintenant. Parce que je crois que quand je vois un terrain communautaire, je suis pas obligé de la porter, hein. Interdire aux animaux. Comme ça, il ne pourra plus sortir. Hop, j'ai oublié où je passe, celle-là aussi. Yeah, mon petit chat. Oh, je vais faire des câlins. Mon papi. As-tu dit quelque chose pour jouer d'ailleurs? Il n'y a rien pour jouer, hein. Ben, il y a ça, mais. Un petit musique. Okay. Ah, ça a été instantané! Ah, ben! Mon petit bébé. Ah, j'ai une promotion. Dénigreuse, vous avez un serveur préféré et tout le monde connaît votre nom. Sûrement car vous faites savoir qui est la meilleure. Quand vous avez gagné vos parties, vous irez loin. Parfait. Ouais, on va mettre la fin des factures. On va payer les factures. Et on va faire les petits câlins au chat. Mais tout est tombé là parce qu'il est tout content d'avoir joué là. Et là je peux plus là. On va aider de se calmer là. Allez là. Mon petit bébé chat. Tu j'allais au travail? Ok, je peux retourner au travail. Comment ils vont me dire? Ah, t'es arrivé en retard. Même si je n'étais même pas supposé rentrer au travail. Bon, là, je suis mal. Bon, ben, va faire pipi. En douche. Puis, va dormir. Comme ça, tu vas aller mieux. Oh non! Faites pipi à terre! Je veux même pas le chicaner! C'est parce que j'ai interdit l'accès? Peux-tu juste. Sauf pour la famille. Ok, tiens là. Je sais pas trop si c'était à cause de ça. Oh bébé, là, on a fait pipi à terre! On se lave là. Dîner, on va manger du spaghetti. Encore. Mon Dieu, j'ai soudainement eu envie de pisser.
qui était instantanée. Eh oui, mon bébé chat. Ok, là, il est allé dedans. C'est sûrement à cause de ça. Oups, je vais y faire. Oui, dans les câlins, oh, bébé. Non, mais oui, oui. Non, bébé, dans mon, hein. Les affections câlinées. Bébé. Tu sais, vous allez rendre compte bien assez vite que moi, je suis gaga à mort. Surtout si mon chat, il est là. Il est où? Il est détruit. Normalement, il est pas trop loin. Ah, c'est rendu mon ami! Oh. Ami des animaux. On amène-tu le champ? On va aller le champ comme là. Bleh. Bon. On a craché une boule de poils. Pour bébé. Oh, oh je peux pas. C'est vrai, je l'ai interdit qu'il puisse sortir. Oh non! On va nettoyer ça là. À cause de moi. On va manger des céréales encore. On va faire un peu de peinture, c'est parce que... comment faire pour le rencontrer, c'est tellement compliqué. Mais je sais pas si je peux sortir. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter au moins le taco là? Oui! Mais techniquement, ce que je voudrais acheter, parce que le véhicule est vraiment plus beau si on fait ça là. Ah, c'est peut-être dans créativité. Oui! Ah, j'ai, c'est moins cher. Oh! Parfait. Parce que ça force, le véhicule est vraiment plus beau. Oh, ramène-moi votre autre facture, là. Ah, mais oui, je suis tout jardin, hein, ça faisait dur un peu. Ah, oh, c'était mort, ça. Ah, je vais travailler. J'avais-tu quelque chose à m'occuper avant? Non. Allez un petit peu sur le moteur avant d'aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait, mon petit chat? Hmm? On va devoir faire la litière en revenant, donc t'as été dû. Ah, oh, il n'y a pas de manger! Oh non! Je peux bien savoir quelle heure? À 9h. Oh non! Oh non, là! Tu vois qu'il va être correct, là, mon bébé? Je sais! Oh non, je me sens trop mal! Je sais, ok là? Je sais. C'est ma faute, mais je vais être sûr qu'il meurt pas, là. Steam Jeep enable. Sure. Ok. Make all happy. Ok. Bon. Je juge pas qu'il peur. Ok. Là, je suis pas gentille. J'ai triché. Mais là, c'est exceptionnel. Ok. Je veux pas que mon bébé il meure. Logique. Ok, il va falloir que j'achète de quoi. Moi, que je peux jouer aux échecs.
Je me souviens plus c'est dans lesquels qu'on peut jouer aux échecs. Ouais, non, pas beaucoup, mais plus content. Et non, tu travailleras pas, ok? Putain, là, mon petit chat, je m'excuse, là. Non, mais j'en profite. On va travailler sur l'auto. Je vais te laver après que t'as fini là. Ouais, va te laver là. Mon petit chat. Et moi je travaille en pyjama dehors. Mais dans sa carrosserie là. À quelle heure donc? 15h. Bon, le temps de dormir un peu. Sinon, ça c'est l'idée d'éviter, mais ok. Non mais là, là. Je travaille là. Faut que t'ailles. Il faut du money. Ça, on va pas améliorer nos choses là. Oh, qu'est-ce que mon bébé chat? Distraction? T'as plus la petite souris? Oh, come on! J'ai encore accroché! Oh. Allez! Je m'excuse! J'ai tellement habitué de faire le défilement quand j'ai au Sims 2. Sorry! Ah, oh, ça pique! Ah, je me suis brûlée! C'est faux! Ça pique! On voit pas grand chose. Ici, on voit un triangle, c'est ça. Allez, 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 allez. Je refais si l'audio marche toujours. J'ai pas. Pardon, regardez de nouveau. Ah oui, ok. On va racheter un jouet ou. Y'a pas quelque chose à long terme? Ah, ça! Putain, mon bébé là. Allez, va jouer avec ta bébé. Petit garçon content. Ah, j'ai encore oublié de nourrir le chat! Il devrait être correct là s'il continue à jouer. Là. En revenant, on va nettoyer ça, on va donner le manger. On est correct. On va donner des câlins aussi avant de faire des dodos là. Ah non, on peut pas aller dehors. Ah oui, mon petit bébé, là. Ah, je déteste quand ils font ça. T'as un défilement à te faire. Lève-toi. Dis de t'occuper de ton chat. Arrête de brailler. C'est ce que je te dis. Comment? Oh,
avant. Ça va. Je vais aller dormir. Merci. Seigneur. C'est pas dur de s'occuper de son chat. Tu lui fais des câlins, ils sont contents. Je veux mon chat d'ailleurs. Je sais pas où. Elle vient de miauler qu'on l'a pas entendu. Il arrête pas de manger quand il a pas faim. Espèce de glouton. En plus, il me semble que c'est ça que j'avais mis comme attrait. Sagouin, exact. Mais dans la vraie vie, il est aussi. Puis c'est vrai qu'il mange tout le temps quand il a pas faim. Au tas. Ouais, là, il y a une bébelle pour tout le temps. Mon point de logique, là. Faut que j'achète absolument. Attends. On va attendre. Enlève-toi. Le chat s'est levé en même temps que moi. Oh! On va te laver, là. Sinon, ça va travailler bientôt. On va travailler avec notre auto! On va travailler le moteur. Ah, faut pas que je vérifie. J'ai oublié de vérifier le bol du chat. On va aller travailler. Ok. Peindre un... Il est pas rouge! Quelle déception. Non. Ah, ça va être ton char. Là, on a une vitre brisée. Elle a remarqué. Eh oui, là. Va-t'en, le char. Ah. Elle veut pas. Bon, ben, va travailler. Non. Va pas te coucher, j'ai dit! Va travailler! Faut être fini son auto. Bordel de merde. Qu'est-ce qu'il veut, mon petit chat, là? T'en as dû manger. Oh non, la gamelle est dégueu. Oh, come on! Quand j'y pense d'y remplir. Mange pas ça, là, mon bébé. Ah. Ils avaient été convoqués. Dans le bureau de son patron pour un court entretien. En entrant, elle remarque une table d'une laideur incroyable. C'est mon char. Accroché au-dessus du bureau de son chef. Oh, un tableau. Un tableau. Aussi, c'est mon char aussi. Du bureau de son chef. Doit-elle dire quelque chose ou garder ses réflexions pour son ami imaginaire? Je pense que je vais rien dire. Pour ne pas vexer son chef, Elisabeth décide de tenir sa langue. Mais au cours de la discussion, le chef demande à Elisabeth ce qu'elle pense du tableau. Certes, cette dernière tente d'improviser un discours éloquent, mais son chef l'interrompt, qualifiant le style de la toile de pop art vulgaire. Elisabeth déçoit son patron et perd un peu de son goût pour l'art et la création. C'est pas grave, j'ai pas besoin de l'avis du monde. S'endormir.
Attends, là. Elle a rien nettoyé, là. Oh, Seigneur. Ok, là, va te coucher. Seigneur. Tiens, honnêtement qu'elle coupe pas rien là, de tout ce que je dis là. J'espère qu'il n'a pas faim. Il veut des câlins. Il donne des câlins. Ah oui, mon bébé là. Tiens, lève-toi. Oh, elle le tient aussi. Là, on va le féliciter pour manger la nourriture animale, on va lui donner des câlins, on va le caresser, on va jouer avec lui un peu, si elle coupe pas tout ça. C'est vrai qu'on adopte un autre chat. Parce qu'il s'ennuie le pauvre. On n'est pas là. Ah, il est correct. On va essayer de finir le tour là. Oh. On a un auto pour aller travailler. C'est moi le propriétaire du char. On va y faire installer un alarme. Ça coûte combien donc? 250$. Ouais. C'est genre ma seule vraie possession qui vaut quelque chose. Est-ce que les... Toutes mes plantes sont en train de mourir. Peux-tu te piler dessus? Innocente. Oui, je me traite d'innocente. Arrête de piler dessus. Puis tu l'es. Oh. Elles ont bien. Oui, je le savais que j'allais être malade. Ok, regarde, c'est bon, on va aller payer là. On va se faire acheter un jardinier puis un exterminateur. Appeler, service. Service. Arrête de les écraser là, on était malade de nouveau. Faut pas y avoir des infections. Oui. Puis un jardinier. Oui. Oh là là. Là, va faire pipi, va prendre un bain, parce que je travaille pas, de toute façon. Va donner le manger. Merci de nous sauver. Là, là. Merci le jardinier de t'occuper de mes plantes. Ok, elle passe par là, c'est correct. Bon. Je vais s'occuper de mes cochonneries, là. Éventuellement, ça va être une bonne. Combien de temps? On va faire encore un petit 5 minutes. Parce que j'ai toujours pas trouvé, de toute façon, la personne que je parlais. Que je voulais rencontrer. Puis là, ça fait... trop longtemps. Sérieusement là, c'est épouvantable. Ça va coûter cher en jardinier, je pense. Ah mon Dieu, pas tant que ça. J'ai
j'ai un auto maintenant qui m'a coûté 800$. Puis là, elle vaut genre 1000$. Il faut que je la revende. 5200! Aïe aïe! On est vraiment plus aisés. C'est totalement pas mon genre. Non, je vais la garder pour tout de suite. En fait, je peux la repeindre de la couleur que je veux. J'ai toujours rien acheté pour ma logique. On va appeler pour une bonne. Eh oui, je le sais, là. Elle travaille dessus, je vais l'envoyer travailler. Lors de quoi elle est bossée? Elle travaille pas. Bon. Et après ça, on va terminer l'épisode ici. Ah, ramasse tous les cadavres de cafards, c'est merveilleux. Parfait. Donc, on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. De toute façon, on va s'en reprendre bientôt. J'ai fait un petit peu plus long. Comme ça, ça va peut-être compenser pour le fait que j'ai posté, publié en retard. Donc, c'est ça. Fait que, on se revoit bientôt pour le prochain épisode.